Paul a montré comment les qu'on a jeûné. Des jeûnes multipliés. On peut prendre un texte. De Corinthiens 11, 27, Actes 13, 2, 3, Matthieu 6, 18, 16, 18, pardon. Il y a aussi Néhémie 1er, verset 4. Le jeûne de Néhémie. Il y a le jeûne d'Esdras, dans Esdras 8, verset 21. Psaume 35, verset 13. 2 Samuel 12, 16. Ok, reprends, d'accord. 2 Corinthiens 11, verset 27. Acte 13, verset 2, 3. Matthieu 6, verset 16, 18. Matthieu 6, verset 16, 18. Néhémie 1er, verset 4. Esdras 8, 21. Psaume 35, verset 13. 2 Samuel 12, verset 16. Le jeûne de David. Luc 2, verset 37. Jonas 3, verset 5. On va le reprendre généralement pour nous vérifier. De Corinthiens. Alléluia. De Corinthiens 11, verset 27. Acte 13, verset 2, 3. Matthieu 6, verset 16, 18. Ou capable de chasser Lyon, nous capable de chasser Lyon. Néhémie 1er, verset 4. Esdras 8, verset 21. Psaume 35, verset 13. 2 Samuel 12, verset 16. Luc 2, verset 37. Et enfin, Jonas 3, verset 5. Au cas de en ce qui concerne le jeûne. Maintenant, quand on parle du jeûne, de manière basique, jeûner veut dire abstention de nourriture. Qui ça nous dit jeûne, nous veut dire? Abstention de nourriture et nous devons ajouter d'elle à des fins spirituelles. Donc, Dieu bénit nous. Jeûne, lui veut dire abstention de nourriture à des fins spirituelles. Et le grand mot grec qui traduit lui, c'est nesteuo. Nesteuo. Abstention de nourriture à des fins spirituel. Dès qu'on parle de jeûne, ou abstention de nourriture. Et leur jeûner, ou nourrir l'esprit. Mais même dit non. Nous songeons le bon Dieu a créé l'homme. Manger avec l'homme, qu'est-ce que bon Dieu a fait avant? Bon Dieu te fait manger. Ah vrai? Bon Dieu fait manger. Ça veut dire, bon Dieu connaît que quoi a besoin qui ça? Il a besoin de manger. Mais on connaît moins avoir de très prudent avec manger. Non, attendez. Moins avoir de très prudent avec manger. Moi avoir doué très prudent avec manger.
le consacré ou celui qui veut se consacrer à Dieu doit être prudent avec la nourriture. Pour qui ça? Même manger, bon Dieu créé, qui est bon pour le corps, parce que le corps a besoin des vitamines, différents types de vitamines, il a besoin de sel minéraux, il a besoin de glucides, il a besoin de lipides. Quand on a besoin de ça, il a besoin de protéines, merci en pile, il a besoin de protéines, quand on a besoin de ça, on a mangé, on a besoin de ça. Donc, bon Dieu connaît très bien que qu'on a besoin de manger. Mais nous devons être très prudents avec manger. Parce que même manger ça, bon Dieu, mettez qui est important pour quoi? Il y a détruit vie de consécration. Vous attendez. Même manger ça qui est important pour quoi? Il y a détruit vie de consécration. Qui s'acte de tu relation l'homme avec Dieu dans le jardin? Le fruit défendu. Mais en gros allié. Manger. Fuck nous manger, mais nous pas gain droit esclave manger. M'après dit ça encore. Fok nous manger, mais nous pas gain droit esclave manger. D'ailleurs, le chrétien, il est seulement esclave de Christ. Non, attendez. Le chrétien, il est uniquement l'esclave de Christ. Il pas gain droit esclave de la nourriture. Le chrétien, le consacré, il ne doit pas se laisser diriger par son estomac. En plus, il faut moyen avoir, nous pas qu'à mener une vie de consécration, nous pas qu'à arrêter dans le jeûne. C'est parce que nous quittons, nous conduit par notre estomac. Nous pas qu'à passer 6 heures de temps sans nous pas manger. Manger bon. Mais il faut que nous fassions attention avec manger. Il faut que nous passions tête nous l'ode si nous ne voulons pas manger pour nous ne pas manger. Quand vous avez parlé de jeûne, tête yo chaud. Pour qui ça? Petit estomac. Petit estomac faible. Depuis le fait 10 ans, vous avez guerre dans votre là. Sortant de à ou pas ka kembe. Mais pas oublier. Si vous voulez consacrer vie avec Dieu, faut qu'on accepte de payer prière. Faut d'accord payer prière. Pendant que vous êtes à la kaila là, vous avez un bon poisson qui a fruit, qui a voué bon sot. Tout le monde a mangé ou même sous pauvre en tout. Faut d'accord. Pendant à consacrer temps avec mon Dieu, qui doit se laisser manger au pire et mieux, il y a eu dans la là. Ça va faire qui te obéit par estomac. Ou obéit par estomac. Ou qui te le bout demain matin. Il faut être d'accord de payer le prix. Il faut payer le prix. Quand l'homme sous chemin font 3 jours de jeûne, ça me dit quand maman m'a marié. Mes amis, maman presque mouri. Oh, est-ce qu'on est capable? Comme on a prend pitié pour moi. Et comme si me coûtait pitié. M'a dit ah, eh bien OK maman, me camper jeune là. Même derrière me fait 3 jours.
Même si quelqu'un m'a braché, ça c'est sensibilité maternelle li. Même gen relation m'doit avec bon Dieu m'a géré. C'est ça que fait on parler aussi de déjeuner. S'il y a jeûner, il y a déjeuner. Il y a jeûne, il y a déjeuner. Leur lever le matin, leur apprendre à manger, qui s'en dit, vous vous pral déjeuner. C'est comme si vous faites toute nuit là, ou pas manger rien, on tape jeûner pendant la nuit là. Le fait de déjeuner, c'est le fait d'enlever le jeûne. Est-ce que c'est clair? Déjeuner, c'est enlever le jeûne. Ça veut dire, je tape jeûner, qu'on y a ma déjeuner. Je enlever le jeûne. Il y a un auteur qui est Zacharias Taniformum. C'est un écrivain. Il a dit, monsieur, c'est un écrivain prolifique. Ça veut dire, monsieur, écrit en pile. Il y a un livre qui est écrit qui est le ministère du jeûne. Zacharias. Et dans l'introduction du livre-là, Zacharias dit, nul ne peut s'adonner au jeûne et demeurer le même par la suite. Bon Dieu béni, non? Nul ne peut s'adonner au jeûne et demeurer le même par la suite. On dit, je ne vais pas rentrer dans le jeûne pour me sortir, même gens. Je ne vais pas rentrer dans le jeûne pour me sortir même gens. Nul ne peut s'adonner au jeûne et demeurer le même par la suite. C'est la déclaration de Zacharias. Et il y a un mec qui est David Brenner. Monsieur dit comme ça. Monsieur était un missionnaire. Monsieur dit, jeûnez aussi souvent que votre santé vous le permettra. Et aussi souvent que vous pourrez. Car, je vais donner une dernière partie de déclaration en pile. Car c'est de là que la puissance de Dieu vient sur la terre pour un ministère efficace. Est-ce que l'église attendait? Je vais reprendre une déclaration David Brenner pour vous. Jeûnez aussi souvent que votre santé vous le permettra et aussi souvent que vous pourrez. Car c'est de là que la puissance de Dieu vient sur la terre pour un ministère efficace. Pour un ministère efficace. Est-ce qu'au bon temps, qu'on mettait à part ou même personnellement pour jeûner? Une question m'a posé non personnellement. Est-ce que ou même personnellement au bon temps mettait à part pour jeûner? C'est pas à venir l'église à venir jeûner, non? Ou même avec Dieu, personnellement. Et si vous pouvez faire ça, moi, encourager et même exhorter à faire ça. Il y a un temps ou même personnellement pour jeûner. Ou même avec bon Dieu. Il n'y a pas de ministère efficace sans le jeûne. Comment faire un ministère efficace? Parce que jeûne, c'est un canal de consécration. C'est un outil de consécration. Le jeûne. Et en pile fois de nos jours, nous, on n'y a presque pas voulu jeûner encore.
Et peut-être sont des qui jeunes de ces jeunes miracles. Ou même personnellement, on doit mettre un temps à part pour jeûner. Et même si nous chaque qui là, après 3 jours, ça, on suppose qu'on ne joue pas au même pour jeûner. Tout le monde qui là, capable de jeûner et tout le monde qui l'a doit jeûner. Peut-être que quelqu'un qui dit moi-même, je ne vais pas vivre en santé. Je ne vais pas jeûner. Oui, ou ne vais pas jeûner. Quelqu'un qui dit je souffre estomac, je souffre acidité estomac, je ne vais pas jeûner. Oui, ou ne vais pas jeûner. Tout le monde qui l'a capable de jeûner. Il y a différents types de jeûne. C'est ça qu'on a fait pour nous finir. Il y a différents types de jeûne. Généralement, on parle de 3 types de jeûne. Et à partir de là, on parle de tout le monde qui a jeûné. Tout le monde n'est pas obligé de faire le même type de jeûne. Mais tout le monde est capable de jeûner. Le premier type de jeûne, c'est le jeûne absolu. Il y a aussi le jeûne complet. Il y a le jeûne à sec. Comment on dit le premier type de jeûne? Comment on dit encore? Ou bien on dit le à sec. Dans le type de jeûne, ça ne pas manger, je ne pas boire. Il y a dit bah elle a dû. M'ba manger m'ba boire. Dans type de jeûne ça. À sec. Jeûne absolu, absolu, m'a rien même absolu. Mais yo encourager ou bien yo conseiller dans type de jeûne ça pour pas dépasser 3 jours. Dieu bénit nous. Yo conseillé dans type de jeûne ça qui sont jeûne à sec, un jeûne absolu pour pas dépasser 3 jours parce que on pas ni manger ni boire. Si m'ta font jeûne à sec, ti bouteille de l'eau ça pas ta plat. M'ta ka boel parce que c'est à sec. M'pa ka dépasser 3 jours selon ça yo conseillé. Même si gen moun ki kon a essayé dépasser pour qui ça? Parce que c'est vrai que nous ne pas manger, mais au moins faut moins boire. Pour qui ça? Parce que en biologie, on dit un animal meurt beaucoup plus vite de soif que de faim. Ok? Donc, il y a un qui va parler de Moïse. Jeune Moïse, c'était un jeune surnaturel. Le jeune de Moïse. Jeûne à sec. Donc, après Actes des Apôtres 9, verset 9. Esther 4, verset 15-16. Actes des Apôtres 9, verset 9. On nous lit deux textes. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Esther 4, verset 15-16. Le jeûne d'Esther. Esther envoya dire à Mordoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis,
J'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Donc, vous connaissez l'histoire. Exode chapitre 34, nous regardons le texte, nous ne pouvons pas lire. Exode 34, verset 28. C'est le jeûne de Moïse. Premier type de jeûne, là, nous dit c'est jeûne absolu, jeûne à sec, pas gain manger, pas gain boire. Deuxième type de jeûne, là, c'est le jeûne partiel. Il y aurait aussi le jeûne de Daniel. Deuxième type de jeûne, non, comment le relais? Le jeûne partiel. Il y aurait le tout jeûne de Daniel. Jeûne, ça, c'est un jeûne qui est capable de personnaliser. Le jeûne partiel. Ou capable de personnaliser le jeûne, non. Personnaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais jeûne par rapport à moi. C'est un jeûne que m'a planifié. Dans le type de jeûne, ça, moins capable de manger, mais m'a choisi qui ça, m'a mangé qui ça, m'a pas mangé. Dans le type de jeûne, ça, m'a choisi, mais qui ça, moins capable de faire, mais qui ça, m'a pas capable de faire. Moi, j'ai une sorte de restriction. Dieu bénit nous. Il y a une sorte de restriction. Nous sommes capables de lire Daniel 10, verset 2, Daniel 1, verset 12, après ça. Côté que Daniel t'est abstenu de une série de mets délicats, une série de nourriture délicate. Il t'est abstenu de yo pendant que le tape jeûné. Dans le jeûne partiel, si on fait un jeûne partiel, on doit dire que ou autoriser tête ou manger fuit seulement. Un exemple. Ou fait un jeûne partiel, ou autoriser tête ou manger fuit seulement. Ça dit on fait un jeûne de 15 jours et un jeûne partiel. On dit pendant 15 jours ça, on va manger du riz. On nous remet du riz en plus, ça fait du riz pour avant. Je vais remettre du riz, frère. Moi, je dis pendant 15 jours, je ne vais pas manger du riz. Je ne vais pas manger maïs, je ne vais pas manger blé. Je vais seulement manger fuit. Quelqu'un m'a dit, est-ce que je vais manger pendant 15 jours, je vais manger du fuit seulement, mes amis. Ça, c'est le jeûne partiel. Dans le jeûne partiel, là, si par exemple, dans la journée, on est supposé prendre 3 repas, on a décidé de dire qu'on va sauter tel repas. Dans la journée, c'est le jeûne partiel. Dans le jeûne partiel, là, on doit dire, mais qui ça me déconne fait, m'a choisi pas faire. OK? Certaines femmes qu'on a jeûné, on dit pendant tant de jeûne ça, on pas rien droit aller WhatsApp. On pas rien droit ouvrir WhatsApp. Jeûne partiel là, c'est une clause que vous faites avec bon Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est une clause que vous faites avec bon Dieu dans le jeûne partiel là. Avec cette clause là, on entend avec bon Dieu, on dit, mais qui ça me baille tête comme restriction pendant tant ça. Ou on va dire pendant le jeûne partiel là, je n'ai pas le droit à la télévision, je n'ai pas le droit dans le téléphone, conseil de bagarre qui était cap distrême, moins abstenir moins de yo. Et on sait de barrières qui étaient satisfaites physiquement, moins mettez-yo de côté. Ça, c'est le jeûne partiel. Mais ça va veut dire que je ne suis pas capable de faire, on sait de barrières que je suis programmé, que je suis capable de faire. Est-ce que nous comprenons ça, me dit? L'église, nous comprenons? Il y a aussi le jeûne normal ou jeûne régulier. Jeûne normal, jeûne régulier. Dans le type de jeûne, je ne peux pas manger, mais je suis capable de boire. Est-ce que nous ne pouvons pas boire de l'eau pendant que nous venons là? Nous ne pouvons pas boire de l'eau? Mais c'est le mot qui est le boire, pasteur. Ok.
Gela seulement yo permettre boire de l'eau. Très bien. Donc tout le monde là dans la sec, gela seulement qui n'en recule. OK. Dans jeûne régulier a ou pas manger mais on capable boire. Le plus souvent on dit moun nan boire de l'eau. Mais gen l'autre monde qui dit ou capable boire jus de fruit. Si nous regardons Matthieu chapitre 4 verset 2, on nous lit texte ça avec moi. Nous pas le fini. Matthieu chapitre 4 verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, qu'est-ce qui s'est passé? Il eut faim. Commentateur dit que Christ dit il eut faim. La Bible n'a pas dit il eut soif. OK? Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il était boit. Il pas dit il était soif, mais il dit que il était grand goût. Monsieur Béni, non pas troublé. Qui te maïsso, parler avec chauffeur là. Monsieur Béni, non. On nous dit alléluia. On nous dit alléluia. On va sentir là. On nous dit alléluia. On nous dit alléluia. Alléluia. On nous dit vive Jésus. Vive Jésus. Vive Jésus. Bible a dit il eut faim. Il n'a pas dit il eut soif. Donc nous parlons de trois types de jeûne. Si on va rappeler le premier. Si je dis absolu, ça me capable de dire. Ça me dit encore? Très bien. Deuxième type là, qui ça ne t'a pas dit? Partiel ou bien de carrelle aussi. Jeûne de Daniel. Et troisième, non, comment on te relève? Nous relève le jeûne normal ou? Jeûne régulier. Nous n'avons pas l'autre à l'heure de Glyn. Glyn font une déclaration, il dit que plus vous oubliez votre chair, plus vous libérez votre esprit pour agir avec puissance. Ou alors, jeûnez, oubliez chair. Et Glyn dit plus vous oubliez votre chair, plus vous libérez votre esprit pour agir avec puissance. Et qui te rappelle nous ça? Nous ne connaissons pas seulement chrétiens qui jeûnent. Vous êtes comme ça? Ce n'est pas seul chrétien qui jeûnent. Les satanistes jeûnent aussi. Et en pile, ils jeûnent pour écraser les foyers chrétiens. Plus vous oubliez votre chair, plus vous libérez votre esprit pour agir avec puissance. T'allez me débattre le doigt, l'homme a mangé, il a grandi sous. Mais l'homme a esprit à manger tout, esprit a grandi. Ou par contre, c'est des fois on a pensé avec qui est souterré autrefois. Comment peut-être que les bagages ont été un petit moment où explosé ou éclaté? Nous arrivons au moment, cet esprit tellement sablé, il est foubi. Des fois, même si vous avez pilo, ou prête pour dire que excusez, il est pilo. Oui? Ou prête pour dire excusez, oui. Mais autrefois, et on t'a volé pour moun ça. Mais je dis, ce n'est pas même bagaille. Parce qu'oublier cher là.
Yon nan bagay qui empêche de vivre dans la consécration, c'est notre chair. Notre chair, notre nous-mêmes. Notre moi. Empêchez-nous de vivre dans la consécration. Est-ce que vous voulez prendre une décision matin pour jeûner ou même personnellement? Est-ce que vous voulez prendre une décision matin pour rester dans la parole de Dieu? Est-ce que vous voulez prendre une décision pour rester dans la prière? Et on a pas que je voulais attirer attention, le jeûne n'est pas la prière. La prière n'est pas le jeûne. Et ça fait nous parler et de la prière, nous parler et du jeûne. Lorsque vous jeûnez ou consacrez temps pour prier au moment du jeûne. Même gain doit jeûner. Et puis pendant jeûne nan, je dois dire m'a jeûner juste pour me lire un livre dans la Bible. M'a jeûner pour méditer. L'important pendant m'a jeûner pour me prier. Mais le jeûne n'est pas la prière, la prière n'est pas le jeûne. Est-ce que nous comprenons ce que ça me dit? Le jeûne, la prière. Deux entités ça a souvent marché de pair. Mais yo pas même bagay. Pendant un moment de jeûne, m'a prié. Mais jeûne, nous te dit de manière basique, il veut dire abstention de nourriture. Donc, en termes de rappel, pour nous capter la question, yo, après pour nous conclure, nous te parlé. Nous avons fait différence pour vous entre trois concepts qui sont la justification, la sanctification et la consécration. Nous avons dit que la justification implique ce que Dieu fait pour nous. La consécration, la sanctification implique ce que Dieu fait en nous. Et la consécration implique ce que Dieu peut faire avec nous. Nous t'ai fait différence là pour vous. Et nous t'ai montré que nous sommes justifiés par grâce, par le moyen de la foi. C'est acte de rachat, de rédemption que Christ lui-même lui fait à la croix. Et nous t'ai expliqué le mot rédemption, qui ça l'a dit. Et nous t'ai dit sanctification, hein? C'est acte de mise à part pour Dieu. Et nous disons, ouais, consécration, c'est acte de mise à part pour le service de Dieu. Et nous disons, expliquez-vous, consécration, hein, faut ou accepter pour payer prix. Faut ou accepter pour payer prix. Donc, yon chaudier pour le briller, faut qu'il accepte pour yon foubil. Vous comprenez? Yon chaudier pour le briller, faut qu'il accepte pour yon foubil. Et si chaudier a te gen bouche, pendant qu'on a passé par des fers sur l'île d'Adou, comment ça fait le mal? Donc, la consécration, ça demande un prix. Et dans la consécration, il y a la souffrance. Dans la consécration. Et nous avons plusieurs niveaux de consécration. Nous avons la consécration du parvis, la consécration du lieu saint, la consécration du lieu très saint, dans le tabernacle qui était fait par Moïse. Et nous avons nous-mêmes,
en tant que le tabernacle ambulant, nous avons la consécration du corps, la consécration de l'âme, la consécration de l'esprit. Et par la suite, nous avons parlé trois éléments, mais qu'il y a l'autre élément, nous sommes obligés de prendre trois, qui indispensable à la consécration. Nous avons la parole de Dieu, nous avons la prière, nous avons le jeûne. Si nous avons parlé de l'adoration, et chaque saint est capable de faire un sujet pour continuer. Donc, nous avons trois éléments. Et dans la parole, nous avons trois entités dans la parole. Nous avons la parole écrite, la parole révélée, la parole incarnée. Et dans la prière, nous avons la prière, c'est la respiration de l'âme. Et nous avons la fonction même de la respiration. Et après, nous avons le jeûne. OK? Qui c'est abstention de nourriture. Et nous avons trois types. C'est avec ça que nous définissons trois types dans la question jeûne. Maintenant, si vous avez une question, nous prenons. Si le Saint-Esprit de Dieu permet de nous répondre, nous répondons.